Oui. Parfait. Ok. Bien, donc aujourd'hui nous allons traiter l'exercice numéro 6 de notre série. Et pour ça, on aura une chose qui s'appellerait la calculatrice mentale. Vous m'entendez, non? Ou personne n'entend? Ok, parce que je suis sur le chat. Ok, d'accord. Ok, donc on commence dans notre exercice. Bon, alors là, ici. Et on va dire dans une architecture micro-ordinateur, le processeur de 28 bits et un bus de données de 16 bits. La mémoire centrale est composée d'une partie RAM de 200 mégaoctets, occupant les espaces basses de la mémoire centrale, adresse 0. Le reste de la mémoire est occupé par la RAM. Donnez l'espace mémoire total adressable par ce microprocesseur en octets. C'est quoi l'espace total adressable? Deux en appui À essence votre 20 avis. directement. Comment? Deux en appui essence 20, oui. C'est 2 à la puissance 28. Tout à fait, tout à fait. L'espace total adressable, on a vu que c'était directement le 2 à la puissance, la taille du bus d'adresse. Très bien, c'est 256. C'est parfait. Pour 256, on a quelque chose qui s'appelle la calculatrice mentale. Et ça, vous devez l'utiliser. Vous devez l'apprendre. C'est très simple. Et ça va beaucoup vous aider dans vos donc dans le passage des puissances de 2. Donc on va commencer par dire l'espace total, c'est 2 à la puissance 28. Ça, on le sait très bien. On l'a vu en cours que la taille totale c'est le 2 à la puissance la taille du bus d'adresse. Et donc ça nous donnera 256 mégaoctets. Et là, on va parler un peu de la calculatrice mentale qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, pour la calculatrice mentale, on va commencer par ça. 2 à la puissance 0. Ensuite, 2 à la puissance 1. Ensuite, 2 à la puissance 2. Hop. Là, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6. Et en bas, on va calculer ce que ça nous donne. Donc, 2 à la puissance 1, on sait que c'est 1. Ensuite, c'est 2. Ensuite, c'est 4. Ensuite, c'est 8. Ensuite, c'est 16. Ensuite, c'est 32. Ensuite, c'est 64. 128. 256, 500, et ensuite on passe à 1 méga. Donc ici, on est sur les bits, ensuite c'est 2 mégas, et en fait ce qu'on fait, c'est de reprendre tout ça et de dire, alors, on va juste reprendre. Et on va remplacer, ça sera 1 mégaoctet, 2 mégaoctets, 3 mégaoctets, et ainsi de suite. Donc, ça nous donnera quelque chose qui ressemble. Peut-être que ça serait bien de. Donc, vous voyez bien ici qu'on a 256
2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Et en bas, on a donc 1 bit, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 kilo. Ah oui, je me suis trompée. Donc, c'était 1 kilo, ce n'était pas un méga. 1 kilo, 2 kilos. Donc, on reprend les mêmes chiffres qu'on a pris ici et on va les là. Donc, 1 kilo, 2 kilos, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à 1024. Donc, 1024 kilos, c'est 1 méga. Donc, 1 méga, 2 mégas et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien ici, on était en train de chercher 2 à la puissance 28. La puissance 28, soit on la prend par cœur, soit on utilise notre calcul mental. Et on va chercher la puissance 28. La puissance 28, c'est ici. Donc, on va prendre 256 mégaoctets. Et là, vous allez voir que ça sera très, très utile aussi pour le passage en binaire, pardon. Donc, ça à retenir. Et vous voyez que c'est très simple. Donc, la première des choses que vous allez faire, ce sera juste d'écrire les puissances de 2 avec puissance incrémentale de 1. Ensuite, vous allez écrire les puissances de 2 jusqu'à arriver à 512, puis les répéter à chaque fois. Et en bas, ça sera le binaire. Donc, vous voyez bien que 1 en. Alors, 2 à la puissance 0, donc 1 en binaire, c'est 2, c'est 1, 0. 2 à la puissance 2, donc 4, c'est 1, 0, 0. Et ainsi de suite jusqu'à terminer votre calculatrice. Donc, ça, c'est juste pour trouver la taille totale. Mais on va voir ensuite on pourra utiliser ça pour calculer les nombres binaires. Donc voilà, on a trouvé l'espace adressable par ce microprocesseur en octets. C'était très Madame, simple. 2 à la madame. puissance 28 qui est juste l'adresse. Oui. Espace total adressable par la mémoire. Elle a un message bus d'adresse. Puisque bus de données fait 16 bits, mais à chaque case mémoire, il y a 2 bytes. Tu m'as adressé 2 puissance 28 On fois 2 utilise bytes. alors la mémoire centrale adressable. Là, on est en train de donner toutes les adresses possibles que peut adresser cette mémoire. Capacité, son espace, c'est 2 à la puissance 28. On ne va pas prendre le bus d'adresse. Pardon, le bus de données. On va prendre seulement le bus d'adresse. Et en fait, 2 à la puissance 28, c'est adresses possibles dans notre espace. Donc même des ruches, on va pas rajouter le bus de données. OK? Même si on a espace. Même si on a espace. Donc la question c'était total adressable, la mémoire totale. Vous voyez bien que c'est adressable. Donc on a besoin de combien d'espace pour adresser notre mémoire? D'accord. C'est vrai qu'on a dit l'espace mémoire total, mais il faut faire attention qu'ici, c'est adressable. Donc, on est en train de chercher toutes les possibilités d'adresses possibles. Donc, toutes les adresses possibles, en fait. Et ça, vous savez très bien, ça nous donne toutes les probabilités avec 28 combinaisons. 28 combinaisons de 2 et de 1 et de 0. Donc, Donc, je répète, on nous a dit dans une architecture micro-ordinateur, le microprocesseur a un bus à 8 bits. 28 bits et un bus de données. Le bus de données, il va nous servir à lire la donnée. Le bus d'adresse, il va nous servir à adresser notre mémoire. À savoir à quelle adresse on va partir, à quelle adresse on va récupérer notre donnée. Et que les adresses, elles sont en binaire. Les adresses sont en binaire, donc c'est soit 0, soit 1. Donc c'est 2, soit 0, soit 1. On a deux possibles. Mais maintenant, l'adresse, elle est constituée de 28 bits. Donc combien d'adresses possibles avec 2 seulement, 1 ou bien 0, on peut adresser cette mémoire, sachant qu'on va prendre une adresse de taille 28. Et ça, vous savez
J'avais fait ça, je pense, en première année, en probabilité, c'est 2 à la puissance 28. Si on avait un bus d'adresse de 2 bits, ça aurait été 2 à la puissance 2, donc 4. Donc imaginez avec moi, donc 2 à la puissance. Imaginez que j'ai un bus d'adresse qui est sur 2 adresses, qui est sur 2 bits. Donc on voudrait savoir quel est l'espace total adressable de cette mémoire. On fera 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. Ça, c'est égal à 4. Et en fait, 4, c'est quoi? 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. J'ai pris 2 bits et j'ai mis 4 combinaisons possibles. Cette mémoire peut adresser 4 adresses, qui est 2 à la puissance 2. Maintenant, j'ai 28 bits. Chaque adresse, elle est 28 bits. Donc, j'aurai besoin de 2 à la puissance 28 possibilités. Donc, je peux adresser 2 à la puissance 28 cases de. Donc, ma capacité, c'est 256 mégaoctets, qui est 2 à la puissance 28. Donc, ça, il faut retenir. C'est des probabilités, c'est de simples probabilités. Combien d'adresses possibles dans cette mémoire? Je prends la puissance qui est le bus d'adresse et je fais un 2 à la puissance, la taille du bus d'adresse. Et j'aurai toutes les combinaisons possibles. Le nombre, en fait, le nombre de combinaisons possibles. Ici, c'est 4, 4, c'est le nombre d'adresses possibles. Si chaque adresse était codée sur 2 bits, j'aurai 4 adresses possibles. Si chaque adresse était 3 bits, j'aurai 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est égal à 8. Et en fait, j'ai effectivement 8. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur chaque valeur peut prendre seulement 0 ou bien 1. Donc j'ai 2 ici. Et chaque adresse est codée sur 3 bits. Donc je mets le 3 ici. Et j'aurai le nombre total d'adresses possibles, il est égal à 8. Donc ici, on est en train de dire l'espace mémoire totale adressable. Adressable. Donc c'est le nombre d'adresses possibles. Le nombre d'adresses, c'est 2 à la puissance bus d'adresse. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Non, mais. Effectivement, si on avait dit la taille totale, ça serait le bus d'adresse. Donc, comme on faisait l'année passée, ça serait donc 2 à la puissance 28 multiplié par 16. Pourquoi? Parce que le bus de données est ça. Mais ici, on est en train de dire adressable. Bien, pas d'autres questions sur ça? Bien, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Donc ici, on a préparé la réponse. Alors ça, je vais sauter pour qu'on fasse ensemble. C'est quoi un peu? Qu'est-ce qui est un peu? Qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est un peu? Madame, j'ai pas compris comment vous faites C'est la pas très. calculatrice. Ce n'est pas très clair. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La transformation. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Bon, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Deux puissance 28 en binaire. La calculatrice, pardon? Exactement, la calculatrice, oui. La calculatrice, ok, la calculatrice, pas de souci. Donc, on va, donc, dans la question B, on va encore l'utiliser. Donc, pour le moment, ce que je suis en train de dire, c'est que je mets toutes les puissances possibles. Je mets 2 à la puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Continuer jusqu'au tera. Ici, je peux continuer, je me suis arrêté au giga, mais je peux aller encore plus jusqu'au tera.
et même plus que ça. Donc, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1. Donc, 2 à la puissance 0, on sait que c'est égal à 1. 2 à la puissance 1, on sait que c'est égal à 2. 2 à la puissance 2, on sait que c'est égal à 4. 2 à la puissance 3, on sait que c'est égal à 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 5, c'est 32. 64. 7, c'est 128. 8, c'est 256. 9, c'est 512. Ensuite, 512 multiplié par 2, ça nous donne 1024. Et vous savez, c'est 1 kilo. Donc 1 kilo octet, 2 kilo octet, et on répète la même chose. Donc 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 7, 128, 256, 512. Mais au lieu que ça soit, qu'il n'y ait pas ici une unité, on va rajouter le kilo. Donc 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, 8 kilos, 16 kilos, 32, 64, 128, 256, 512. Ensuite, 512 kilos octets multipliés par 1000, même par 2,24. 1024, c'est 1 mégaoctet. Ensuite, 1 mégaoctet, je répète la même chose. 1 méga, 2 mégas, 4 mégas, 8 mégas, 16 mégas, 32 mégas, 64 mégas, 256 mégas, 512 mégas. 512 mégas, si je multiplie ça par 2, ça me donne 1 gigaoctet. Qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit toutes les puissances de 2 possibles jusqu'à 2 gigas. Et en fait, j'aurais besoin que de ça pour le moment. Dans des mémoires qui ne dépassent pas les quelques gigas. Donc, j'ai besoin seulement de ce tableau. Et à quoi il va me servir ce tableau? Pour cet exercice, il va me servir à calculer la puissance de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 2 à la puissance 28. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas apprendre ces quoi. Je vais chercher dans mon tableau où est la puissance 2 à la puissance 28. Donc, 2 puissance 28, c'est 256 mégaoctets. Je mets directement 256 et je trouve mon résultat. Donc, si j'avais 2 à la puissance 3 comme tout à l'heure, je vais chercher 2 à la puissance 3. Donc, la mémoire totale adressable, c'est 8 octets. Si j'avais 2 à la puissance 16, je vais chercher 2 à la puissance 64 kilos. Donc, ma mémoire adressable, c'est 64 kilos. 2 à la puissance 32, je vais chercher 2 à la puissance 32. 2 à la puissance 32, c'est 2 à la puissance 32, c'est 2 à la puissance 31 fois 2. Donc, ça Donc, c'est sera 4 gigas. ça sera 4 gigas. Voilà. Donc, je rajoute, ça sera 4 gigas. Donc, ça me sert 2 à la puissance 20. Je vais chercher 2 à la puissance 20, c'est 1 méga. Donc, la taille de la mémoire 1 mégaoctet. Donc, si on me donne le bus d'adresse, la taille du bus d'adresse, je vais directement chercher dans mon tableau, c'est quoi cette puissance? La taille de la mémoire adressable directement, sans casser la tête. D'accord, merci. Parfait, parfait. Alors, ça va être encore plus clair quand on va passer à la question 2. Donc, qui m'a posé la question? C'est bon. Marwa, c'est bon, c'est plus clair? Oui, merci beaucoup, madame. N'y a pas de quoi. On continue ici. La question 2, c'est les adresses début et de fin de la RAM et de la ROM en hexadécimal. Alors, elle commence de quoi à quoi? Donc, adresse de, on va commencer par les adresses de la RAM. La RAM, elle commence de quoi à quoi? Donc, on a 2 à la puissance 28, c'est la taille totale. La RAM, elle est de 200 mégaoctets. Et le reste, c'est pour la ROM. Donc, la RAM, c'est l'adresse de la RAM. Très bien. Donc, la RAM, donc la taille de la RAM. La taille de la RAM, c'est... ça, on laisse, on n'a pas besoin pour le moment. Oh. Donc la RAM, on a dit que c'était 200 mégaoctets. La ROM, très bien, c'est 256 moins 200. Donc ça nous donne effectivement 56 mégaoctets. C'est quoi la première adresse de la RAM? Par quoi va commencer la... Je reviens vers notre exercice. On nous dit la RAM occupant les adresses basses 0, 0. de la 7, mémoire 0. centrale.
Zéro. Très bien. Bon. Et zéro sur combien de bits? Combien de bits? 0, 0, très bien. Donc 0, 0, 0. En... Donc, c'est quoi le F? Imen, c'est quoi? C'est pas un F, c'est H. Voilà, okay. Ok. Très bien. Donc, ça va aller de 0, 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi ici? Jusqu'à le 20e 0. Ah, 28 0. Non, madame. Mais tu peux le faire. Laisse-moi en passe mort. 200 mégas, il y a 128 plus 64 plus 8. But chaque partie, on dirait qu'on 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 Excellent, excellent Ryan, excellent. C'est nous ne savons pas. Donc alors, Mariam a trouvé ces 7. Bien Mariam, bien. Kerim, pardon Kerim. Kerim, j'ai lu Mariam. Donc bien Kerim. Donc on va le calculer justement. On a déjà votre camarade a déjà trouvé une valeur. On va calculer ensemble si on trouve la même chose. Donc comment on va faire? Nous on sait que la RAM elle est de 200 mégaoctets. RAM. La RAM, pardon. Ça, c'est la RAM. Donc, la RAM, elle est de 200 mégaoctets. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que les 200 mégaoctets, ce sera égal à quoi? En fait, pourquoi je vais calculer ça? Parce que je sais que donc l'adresse va aller de 0H jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à quelle adresse? Jusqu'à 200 mégaoctets. 200 mégaoctets. Donc, je sais que la taille de la RAM est de 200 mégaoctets. Donc, les adresses, elles commencent. Est-ce que jusqu'à 200 mégaoctets? Allez, réfléchissez, s'il vous plaît. À mon exemple, si les adresses étaient sur 3 bits, moins 1, voilà, moins 1, c'est ce que j'attendais. Donc, c'est moins 1. Pourquoi? Parce qu'on commence de 0. Vous vous rappelez, donc si je commençais, si ma taille était, donc je reviens ici, donc si ma taille était 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Donc 2 fois 2, 4. Donc mes adresses, elles vont de 0, 0, 0 jusqu'à 7, qui est 8 moins 1. Donc 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le 7. N'est-ce pas? Ça va de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est la taille totale moins 1. Ça, c'est les adresses. Pourquoi? Parce que je commence de 0. Donc, si j'avais ma mémoire qui était de 200 mégaoctets, c'est la taille de ma mémoire auquel je soustrais. Donc, mes adresses vont aller de 0, 0, 0 exact jusqu'à 200 mégaoctets moins 1. Maintenant, je vais calculer de je sais que 200 mégaoctets, c'est quoi? C'est 128 plus. Alors, dites-moi si je me trompe. Hein. 34 plus. Donc, 128 moins. Donc, 200. Alors, la méthode, c'est quoi? C'est de prendre la taille de la mémoire, et de chercher quelle est la puissance de 2 qui me représente cette mémoire. Si on trouve, c'est OK. On va chercher la puissance de 2 qui est la plus proche. Donc, 200 mégaoctets, je cherche. Bon, 200, la valeur, c'est 128. Car 256, c'est plus grand que 200. Donc, 128. Donc, 200 moins 128, 64.
128, donc 200 moins 128 moins 64, ça me donne 8. Donc j'ai pris le 200, j'ai soustrait la puissance de 2 la plus proche, et le reste, j'ai soustrait la puissance de 2 la plus proche. Et le reste, j'ai encore soustrait la puissance de 2 la plus proche jusqu'à arriver à 0. Pourquoi? Pour représenter avec des... Donc, 128 mégas est égal à 2 puissance 27. C'est 2 à la puissance 27, plus 64, c'est 2 à la puissance 16, et je le sais grâce à ma calculatrice mentale. 2 à la puissance 16. N'oubliez pas qu'on est en méga, hein, donc je vais mettre ça pour dire que je suis en méga octet. Et 2 à la puissance et 8 mégas, c'est 2 à la puissance 23. Donc c'est 2 à la puissance 23. Et là, c'est trouver ça en binaire. Pourquoi? Je vais aller dans 2 puissance 28 et je vais calculer combien de zéros j'ai et je rajoute 1 à 2 à la puissance 2 à la puissance 16, pareil, je cherche où est le 2 à la puissance 16, il est là. Donc j'ai le 1 ici. 2 à la puissance 23, c'est ici. 2 puissance 26. Oui. 2 puissance 26, hein, Meklhaq. Oui, merci. Merci. 2 puissance 26. Effectivement, 64 mégaoctets, c'est 2 à la puissance 26. Ensuite, ce que je vais faire, 2 à la puissance 27, donc c'est 1. 2 puissance 28, c'est 1. 2 zéros, ensuite 1, 3 zéros, ensuite, donc 2 à la puissance 23, c'est 1 ici, 3 zéros ici, reste, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'aurai 5 octets de 0. Alors 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Et donc 200 mégas octets. Ça me donnera ce chiffre. Donc, ça me donnera ce chiffre moins 1. J'ai pas compris. Vous Madame, pouvez refaire cette partie, s'il vous plaît. Oui. Oui. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va répéter tout doucement. Donc, moi, j'ai un espace de 200 mégaoctets. C'est que les adresses vont aller de 0 à 200 mégaoctets moins 1. Donc 200 mégaoctets, c'est la taille. Moins 1, pourquoi? Parce qu'on commence de 0. Que si j'avais un bus d'adresse qui est sur 3 bits, je partirais de 2 à la puissance 3 moins 1. De 0 jusqu'à 2 puissance 3 moins 1. Donc jusqu'à 7. Et on a vu que ça, c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce que pour trouver l'adresse, c'est de trouver cette valeur. Et si je trouve, si je veux trouver cette valeur, je dois transformer 200 en binaire, soustraire un 1 et revenir en hexa, parce que les adresses sont en hexadécimal. C'est plus facile de calculer en binaire qu'en hexa. Donc, pour trouver le 200 mégaoctets en binaire, ce que je vais faire, la première des choses à faire, c'est de décomposer mon octets en puissance de 2. 200 mégaoctets. C'est quoi? Je vais chercher la puissance de 2 qui est la plus proche de 200. Je vais trouver 128 et 256. 128, c'est plus grand que 200, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas décomposer le 200 mégas en mégas. Mais je peux le décomposer en 128. Donc, je fais quoi? Donc, je vais dire que 200 mégaoctets est égal à 200, est égal à 200 mégaoctets moins 128. La puissance de 2 la plus proche, c'est 128. Non, pardon. 200 mégaoctets est égal à 128 mégaoctets plus quelque chose ici. Ce quelque chose, ça sera quoi? Ça sera 200 mégas moins 128. Ça, ça...
Alors, 2, 7. Est-ce que je ne me suis pas trompée dans 10 mégas? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Donc, 10 moins 8, c'est 2. Et 2 moins 1, c'est 1. Bon, 72. C'est juste, madame. C'est juste, madame, 72. Et 10 moins 3, ok. 72. C'est 72 mégas. Donc, ce qui te reste, c'est 72 mégas. On est d'accord. Donc, 200 mégas, ok, moins 128, c'est 72. Moi, je veux décomposer. Mon objectif, c'est de décomposer mon 200 mégas à la puissance de 2. Je cherche la puissance de 2 qui est la plus proche. La première qui est la plus proche, c'est 128 mégaoctets. Donc, je mets 200 mégaoctets moins 72. Ce 72, je dois le décomposer. Ce n'est pas une puissance de 2. Je cherche dans mon tableau 72 mégas. Je n'ai pas 72 mégas. La proche, c'est 64 mégas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 60. Donc, je vais mettre ici 64 mégas. Je vais chercher donc 64 mégas, mais il me reste quelque chose. Donc, je dois calculer ce quelque chose aussi. Donc, je vais mettre 72 mégas. 64 mégaoctets. Et ça va me donner 8 mégaoctets. Donc, ce qui me reste ici, c'est 8 mégaoctets. Donc, 128 mégas plus 64 mégas plus 8 mégas, ça me donne 200 mégas. On est d'accord sur ça. J'ai tout simplement décomposé en 200 mégas en puissance de 2. Est-ce que c'est d'accord jusque-là? Oui. C'est clair? Oui, madame. Je n'ai rien fait que de décomposer mon 200. J'ai cherché quelle est la puissance proche. Donc, ça, j'enlève l'espace. Donc, j'ai cherché. Donc, pour mon 200 mégas, j'ai cherché la puissance proche. J'ai trouvé 256 et 128. 256, je ne peux pas décomposer. 128, si. Donc, je prends mon 200 mégas, je vais dire que c'est 128 plus quelque 200 mégas moins 128, ça me donne 72. 72, est-ce que c'est une puissance de 2? Non. Je vais encore chercher c'est quoi la puissance de 2 la plus proche. Je trouve que c'est 64. Donc 128 plus 64 plus quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est 72 moins 64. Ça me donne 8 mégas. Si vous faites 128 plus 64 plus 8 mégas, ça me donnera effectivement 200 mégaoctets. La première étape, c'est bon. J'ai 200 mégaoctets qui n'était pas une puissance de 2 en une addition de puissance de 2. Maintenant, pour cette addition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le 128 mégaoctets. 128 mégaoctets, il est là. Donc, en binaire, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5, 6. Donc, 6 multiplié par 4, c'est 24 zéros. Et 1, 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que le 128 et 1. Ensuite, le 64. Le 64, c'est 1 ici. Je vais mettre un 1 ici et tout le reste, c'est des 0. 0, 128 aussi et 1 ici. Et le reste, c'est des 0. Donc, c'est l'addition. Du moment que c'est l'addition, donc j'ai 1 ici, 0, et 1 ici, le reste, c'est 0. Donc, 128 plus 64, ça me donnera 1 ici et 1 ici. On peut le faire si vous voulez. Donc, si je fais par addition, ça sera 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et j'aurai 5 fois le 0 ici. Donc ça, c'est 128 mégaoctets. 128 mégaoctets, le 128 méga est là, donc je mets un 1 ici, et tout le reste. Et ça, je le sais, je sais que ce tableau va exactement me représenter mes chiffres binaires. Je n'ai même pas besoin de diviser par 2, diviser par 2, comme on a l'habitude de faire, pour passer du décimal vers le binaire. Je remplace seulement la case par 1. Ensuite, ce que je vais lui rajouter, donc ensuite, ce que je vais lui rajouter 128. 128, c'est, je vais lui rajouter, pardon, 60.
64, c'est la même chose. Je vais mettre un 1 ici. Je mets un 1 ici, donc ça me donnera 0, 1, 0, 0. Et tout le reste, ce sera des 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 8 mégaoctets. 8 mégaoctets, c'est ici. 1 ici, et tout le reste, ce sera des 0. Donc je mets 1, 3, 0, et tout le reste, c'est des 0. Et je fais mon opération d'addition. Donc, je rajoute les 4 zéros ici. Et j'aurai le résultat de cette Donc, pour cette addition, j'aurai 1, 0, 1, 0, 0, 0. Et tout le reste, c'est des zéros. Et ça, c'est exactement ce qu'on a trouvé là. Et c'est sans passer par l'addition, je vais juste placer un 1 ici. Donc, je place un 1 dans la 2 puissance 27, un 1 dans le 2 puissance 1 dans le 2 puissance 23. Et tout le reste, c'est des 0. Je n'ai même pas besoin de passer par l'opération d'addition. Et cette calculatrice mentale est extrêmement utile, que ce soit pour le binaire, que ce soit pour calculer les tailles. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Madame, c'est plus clair. Merci. Bien, madame. Bien. Très bien. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser pour les deux exercices qui viennent. Et c'est extrêmement utile. Hein? Donc ça, bon, je peux vous laisser pour le corriger. Donc... ici. Et donc, on va directement transformer et je soustrais à 1. Maintenant, pour soustraire à 1, ça, je sais que ça va être... Alors, si on a 1, ça va me donner 1, alors, 1, 0, 0, 1, ensuite 0, et le reste, ça sera des 1. N'est-ce pas? Donc, si je soustrais 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, et la retenue, ça sera 1 moins 1, et le reste, c'est pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, je rajoute le 7. Et ça, ça nous donne. C'est 7 et 5. Ils sont. C'est 7. Bien. F. 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 Est-ce que non, c'est un seul F ici, je pense. Donc F, 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 F. F, 7, C en hexadécimal. Et là, j'aurais trouvé mon adresse d'une façon extrêmement simple. Ça ne me prend pas beaucoup de temps et je me suis pas trompée. OK? Donc ça, c'était pour la ROM. Et là, on a l'explication. Donc les adresses de la ROM, les adresses qu'occupe la RAM, pardon, en hexadécimal sont 0,00 jusqu'à... Il y a un seul F normalement ici. Normalement, c'est un seul F. Donc, C et 4F. Maintenant, pour la ROM, on va faire la même chose, exactement la même chose. Excellent. Excellent. C'est ça. C'est ça. On va faire la même chose. Donc, comme vient de faire Amine dans le Houda. Très bien. Très bien. Donc, pour la ROM, adresse de la ROM, vous allez m'aider. Donc, on sait que pour la ROM, pardon, ici c'est la ROM. Pour la ROM, ça sera de. C'est quoi la première adresse, l'adresse de la ROM? Avant de passer au calcul, c'est quoi la première 200 mégas.
C'est 200, très bien. Ça va aller de 200 mégas jusqu'à... 56. Jusqu'à combien? 256. Jusqu'à la fin, directement. On fait des calculs. Jusqu'à 256 moins 1 mégas octet, c'est ça? Oui. Jusqu'à 256 moins 1. Très bien, très bien. Le 200, on a donc c'est directement ça. Je vais vous dire pourquoi on fait la décomposition. On va la faire pour la robe et je vais vous dire pourquoi on est en train de faire la décomposition. Donc ça, on a dit, ça c'est quoi? C'est 8. Zéro. Zéro. Voilà. Ça, c'est l'adresse de début. Donc, ça c'est 200 mégaoctets. Donc, ça, c'est en binaire. On le transforme en hexa. Maintenant, 256 moins 1. Donc, 256 AU. Attendez, non, c'est on n'est pas en train de décomposer le 56. Non, on est en train de décomposer le 256 moins 1. Il faut faire attention, on n'est pas en train... La ROM ne va pas commencer de 0. La ROM va commencer de la première adresse, qui est le 200 mégaoctets. Donc elle va arriver jusqu'à 200 mégaoctets. Elle ne va pas arriver jusqu'à 56 mégaoctets. D'accord, donc je dois décomposer mon 256 pour trouver les adresses. Je ne suis pas en train de calculer la taille. Si c'était la taille, je vous dirais, OK, 56, je décompose et je trouve en hexa. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas en train, la ROM n'est pas en train de commencer de 0. La ROM est en train de commencer de 256. Donc, je dois décomposer mon 256 et je lui soustrais à 1. Le 256 mégas, c'est clair, c'est 2 à la puissance 28. Donc, 56 mégaoctets est égal. Donc, 2 à la puissance 28. Donc, j'écris ça aussi. 2 puissance 28. Qui est égal à 1. Donc, 0, 0, 0, 1. Et le reste, c'est des 0. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7. Et là, j'ai un 1. OK? Et lorsque je soustrais à 1, j'aurai... Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, et de la ROM. Donc, la dernière adresse de la ROM, c'est quoi? C'est ça. Bon, alors je vais écrire. C'est 256 moins 1 mégaoctets. Et c'est égal à ça moins 1. Et ça me donne effectivement... Donc, d'abord écrire ça en binaire. 1. Combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Effectivement, ça me donne FFF. FFF en hexadécimal. Et donc, mes adresses vont aller de C80000 jusqu'à FFF. FFFF, exact. N'est-ce pas? Je vais juste m'assurer que c'est bon. Voilà. Est-ce que c'est le reste de la ROM? C'est clair, il n'y a pas de... Pas de questions, s'il vous
vous plaît. Parfait. Donc, n'oubliez pas, donc on a calculé effectivement le 56, c'était la taille. Donc, l'espace mémoire adressable, le 56, c'est ce qui est resté. Mais ici, on n'est pas en train de chercher la taille, on est en train de chercher l'adresse. Donc, l'adresse finale, c'est la taille moins 1. C'est la dernière, moins 1, la taille moins 1, parce qu'on est en train de, c'est toujours la taille moins 1 pour les adresses, parce qu'on est en train de commencer par l'adresse 0. Si on commençait par l'adresse taille directement, mais en informatique, on commence toujours par l'adresse 0. Donc, à la fin, on soustrait toujours à 1. Bien. On passe à l'exercice 7, si c'est bon pour l'exercice 6. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Madame, il reste une voilà. Question aussi. Ah, on a une autre question. Le CA, les adresses. Ah, je l'avais enlevé ici. OK, donc pour les adresses, donc je vais, pour les signés et non signés, donc max signé, minimax non signé, minimax signé. Donc, je vais prendre minimax signé. Bon, je ne sais pas si... Donc, les valeurs minimales, on a dit que c'était de la première adresse à la dernière adresse. Donc, c'est la taille totale. Donc, c'est de 0 à moins 1. Par contre, les adresses non signées, ça va être de moins 2 à la puissance 16 moins 1 jusqu'à 2 à la puissance moins 1. Pourquoi? Parce qu'on va prendre, alors, donc, 2 à la puissance 16. Donc, on avait dit, alors 2 à la puissance 16, on avait dit que les adresses, ça serait, attendez une seconde, les adresses, parce que j'en utilise pas la RAM, donc 16 bits. Première adresse à dernière adresse. Donc, c'est le bus de données. Et pourquoi on a mis ça? De à la puissance 16. Le bus de données. Donc, c'est le bus de données. Donc, oui, normalement, vous avez vu ça en cours. Donc, la valeur minimale maximale des signés, ça va être le 2 à la puissance bus de données moins 1 jusqu'à 2 à la puissance bus de données moins 1. On rajoute toujours moins 1 parce qu'on est toujours en train de commencer de 0. Donc, il y a un 0 au milieu. Donc, à la puissance 16, ça, on sait calculer. 2 à la puissance 16, je remonte dans ma calculatrice et je vais chercher mon 2 à la puissance donc, c'est un donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est là. Donc, 1, 2, 3. Quatre, 0. 4, 0. De la puissance 16 moins 1, donc 8. Voilà. Donc, pareil. Donc, on va dans notre... Donc, je vais ramener la calculatrice mentale. Donc, ça, on a vu en cours. Hein. Donc, les valeurs minimax, non, c'est simplement prendre le bus de données. Donc, c'est de 0 jusqu'à 2 à la puissance bus de données moins 1. Les non signés maintenant, on va diviser par 2. Et on sait que la division par 2, c'est la puissance de... Donc ça, l'intervalle aurait été... Donc ici, notre intervalle. Voilà. Donc ça aurait été
de 0, l'adresse et l'adresse max, ça aurait été 2 à la puissance 16 moins 1. Pourquoi? Parce que c'est le bus de données. Alors, ce qui change par rapport à la question précédente, dans la question précédente, on s'est intéressé aux adresses. Et c'est sur 28 bits. Maintenant, on va s'intéresser aux valeurs. Et la valeur, on sait que la valeur, ça s'écrit, ça va se ramener par le bus de données. Le bus d'adresse, ça va nous donner l'adresse sur laquelle on va pointer dans notre mémoire. Le bus de données va nous donner la donnée qu'on va donner à la mémoire pour faire certaines opérations. Donc, pour transférer, pour faire des opérations sur l'unité, sur l'UAL. La valeur minimale, c'est 0, et la valeur maximale, c'est 2 à la puissance 16 moins 1, parce qu'on commence toujours par 0. La valeur minimale, 0, et la valeur maximale, c'est F, 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 F. Donc, 2 à la puissance 16 moins 1, c'est 0 suivi de 16A. Donc, 4, c'est 16. Maintenant, la valeur minimale et maximale signée, on doit réserver un bit pour le signe. Donc, si on doit réserver un signe, on doit soustraire un bit. Donc, la valeur, donc ça va concerner le bit. Et ça, c'est le bit du signe aussi. Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. Donc, ça commence en fait de 0, mais avec un bit de signe. Mais avec un bit de signe, pour dire que c'est positif et pour dire que c'est négatif. Et on a vu dans le cours que la valeur minimale, 2 moins 2 à la puissance du bus de données, donc la taille du bus de données, moins 1, jusqu'à 2 à la puissance le bus de données, moins 1. Donc 2 à la puissance 16 moins 1, c'est quoi? C'est en fait 2 à la puissance 16 sur 2. Et on sait qu'en mathématiques, 2 à la puissance n divisé sur 2 à la puissance m, ça me donne 2 à la puissance n moins, donc exemple, si je veux diviser par 2, si j'ai 2 à la puissance 3, que je veux diviser par 2, ça va me donner 2 à la puissance 3 moins 1. Et ça me donne 2 à la puissance. D'accord, donc j'ai divisé mon espace total des données en 2. Pourquoi? Pour garder un bit. Certains bits de signe. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 à la puissance n moins m. Oui. 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 1. Donc c'est 2 à la puissance 3 moins 1. Et donc la valeur minimale, donc 2 à la puissance 16. Donc c'est 2 à la puissance 15 en fait. Donc je reviens sur 2 à la puissance 15. Et 2 à la 15 est ici. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et 2 à la puissance 15 moins 1, on a dit que ça serait des 0 suivi de 1. Donc, on peut utiliser la calculatrice mentale comme on peut utiliser ce qu'on a appris en, que 2 à la puissance n, c'est 1 suivi de 2 à la puissance n moins 1, c'est 0 suivi de n1. Et donc voici la valeur minimale et la valeur maximale. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Bien, 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 bien. Donc, ce exercice 6, c'est comment trouver des puissances de 2, comment décomposer en puissance de 2. Alors, oui, il y avait la question tout à l'heure, pourquoi on décompose en puissance de 2? Pourquoi on décompose en puissance de 2? Si je veux trouver 200 mégas, je dois le transformer en binaire.
Et si je transforme 200 mégaoctets, ça va être très compliqué. Parce qu'on a vu en CRM ou en structure machine qu'on devait diviser par deux. Imaginez combien vous allez faire pour décomposer le 200 mégaoctets par deux pour le trouver en binaire. Ça va vous prendre un temps fou et vous pouvez tomber sur des erreurs. Il y a une méthode beaucoup plus facile de décomposer en puissance de 2 et de chercher le nombre directement d'ici. Que ce soit le nombre binaire, que ce soit le passage du méga vers le kilo, etc. Donc, on a voulu trouver l'adresse en binaire parce que ça va nous être beaucoup plus facile de passer du binaire vers l'hexadécimal. Et trouver, je ne sais pas qui m'a posé la question, pourquoi on fait des compositions. Donc c'est Abdoulabi. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, pour les... L'exercice, on fait la décomposition. 15, je vais partir directement sur ma calculatrice mentale et je vais trouver c'est quoi en binaire. Ce que je trouve en binaire, c'est exactement ça. Et on passe à la présentation suivante d'une mémoire centrale et on nous demande la taille en octets d'espace du. Alors, l'espace non utilisé, donc c'est celui-là. L'espace total de cette mémoire, c'est quoi? Trouvez l'espace non utilisé. L'espace en arabe, et on va trouver l'espace non utilisé. C'est vrai ou pas? Donc, j'ai un espace total. Combien la rampe sont en train de prendre de mon espace total? Pour trouver l'espace non utilisé, j'ai moins l'espace utilisé. Donc, 31 qui nous donne 2 à la puissance 31 qui nous donne bien. 2 gigas, c'est la taille totale, n'est-ce pas? Donc, on va d'abord trouver, donc, 1, trouver taille totale. La taille totale. Votre camarade, donc je vais mettre taille totale, est égale à 2 à la puissance 31. 2 à la puissance 31. 2 à la puissance 32. Qui nous donne 2 gigaoctets. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? La taille totale est 2 à la puissance 32. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Non? Madame, non. Parce qu'on a 7 et 8 et 7 F. Donc on a 8 F, belle. Donc, monsieur, je pense pas que oui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La dernière adresse plus A. Quand on cherchait l'adresse, on faisait la taille moins 1 pour trouver la dernière. Maintenant, on est en train de chercher l'inverse. On est en train de chercher l'adresse moins 1. Pardon, c'est la dernière adresse plus 1 pour notre total. N'est-ce pas? Donc, on va faire 7 FFF, FFFF, exa, plus 1. N'est-ce pas? Et 7 FFF plus 1, ça nous donnera 0. Alors ça c'est un 10, ça c'est un 10, ça c'est un 10, ça c'est un 10.
Ensuite, indice, indice, indice. Ça, c'est en hexadécimal. Maintenant, on veut chercher la capacité. Donc, je vais faire la. Je vais. Je voyais que j'ai toujours besoin de transformer en binaire. Donc, 8 en binaire, c'est quoi? 0, 1, non, 10, double 0. 10, 0, 0. Oui. D'accord? Oui. Besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 7 zéros. Oui, donc j'ai 28 zéros, 28 zéros, 29, 30, 31. Et donc, je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Calculatrice. Donc, je ramène toujours ma calculatrice. De puissance 30. Ok, on était là. Mais maintenant, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un 1 ici. Donc c'est 2 à la puissance 30. Donc c'est 2 gigas. Donc ça, c'est égal à 2 à la puissance 1, qui est égal à 2 gigaoctets. Notre espace total, taille de notre... C'est effectivement... Je suis parti... J'ai rajouté un 1, j'ai trouvé un hexadécimal. Calculatrice mentale pour trouver quelle est la puissance de 2 et quelle est la taille. Donc je peux passer d'une taille puissance de 2 vers du binaire. L'hexa, on le sait. L'hexa, on n'a même pas besoin de mettre. On peut même rajouter ici donc, le décimal. Mais nous, le plus important, c'est de le trouver en binaire. Parce que du binaire vers l'hexa, ça, on sait le faire. Donc voilà, la taille de l'espace non utilisé, donc ça va être 2 gigaoctets moins 3. Pourquoi on a 2 puissance? Pourquoi 2 puissance? 2 puissance 31. 2 gigas, c'est 2 puissance 31. Pourquoi vous avez trouvé 2 puissance 32? C'est 256 mégas. 2 puissance 29, c'est 512 mégas. 2 puissance 30, c'est 1 giga. Et 2 puissance 31, c'est 2 gigas. 2 gigas. 8, c'est 1, 0, 0, donc j'ai un 1 ici. Si j'ai un 1 ici, c'est que je suis à 2 puissance 31. Pourquoi vous dites 2 puissance 32? Vous êtes d'accord que c'est 2 puissance 32? Bien, bien. Très bien. Donc maintenant, notre espace, c'est 2 gigaoctets. Moins 1 gigaoctet plus 200 mégaoctets moins 650 mégaoctets. Ça me donne combien? Ça, c'est gigaoctets. Donc, 2 moins 1, donc ça me donne 1 gigaoctet. Donc, ça, c'est un moins. Donc, moins.
Donc, c'est 2 gigas, moins 1 giga, moins 200 mégas, moins 650 mégas. Il y a 200, 650. Donc, ça va nous donner 2 gigas moins 1 giga, c'est 1 giga, moins 850. Donc, ça me donne 1024 mégaoctets, moins 850 mégaoctets. Et ça, ça me donne combien? Oui? Madame, on a 7F. Donc, chaque F sur 4 bits, donc 7 fois 4, c'est 28. Plus 7, 7 sur 3 bits, donc c'est 21. Donc, l'espace adressable 0, 0, 0, 0, tel 7 F, 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 tel choix 31 bits. Donc, l'espace, la taille totale, il y a 7 F, plus 1. Qui dirait plus 1, tout l'île, 2 puissance 32. Parce que il y a Hakara, il est adressable sur 2 puissance 31 bits, sur 31 bits. Qui dit il y a 1, tout l'île, sur puissance 32. 32, c'est 4 gigas, mais c'est 2. صح كي نزيد لها ا ما توليش 32 كي نضربها في زوج تولي لي 32 ماشي كي نزيد لها ا ملتيبلي بار 2 صا نطلع لا بويسونس دو 2 مي انا جي اجوتي ا درت اون اديسيون تاع ا وي مدام صح كي تاجوتي ان جو تروح ما درتش دو بويسونس 32 ملتيبلي بار 2 كيفاش هادي سي لادريس adresse. La dernière adresse, hadihia. On est d'accord que la dernière adresse, c'est 7FFF. La taille totale moins 1 me donne la dernière adresse. Donc, la dernière adresse plus 1, taille totale. La dernière adresse, c'est celle-là, plus 1. Ça me donne ça. Et je la transforme en la puissance de 2 et ça me donne 2 gigaoctets. Ou que je parle à 32 gigaoctets, je parle à aucun moment, je parle à pardon, il doit à la puissance 32. Madame, c'est un des 31-0. Qui dit 31-0? Tu as fait 2 puissance 31 ou le 1 et tu as fait 2 puissance 32? Un des 22, un des 1. 2, 3, 4, non, on dit 28, 28, 30, 31, 0. Eh, où est-ce qu'il y a 1, 31, 0, on dit 1, tous les 32. Il y a l'adresse finale, c'est ça, plutôt la taille finale. C'est ça la taille finale. La taille est juste en train de transformer. À ça, je ne vais rien ajouter. J'ai pris la dernière adresse. Je lui ai rajouté un 1. Ça m'a donné la taille en hexa. J'ai transformé la taille en hexa en binaire et j'ai cherché. Voilà, je gagne 31-0. Oui, effectivement, un seul 1 en binaire. Madame, mais genre le 1. Si ça m'a le 1, il tombe sur 2 puissance 31. Du coup, on a 2 puissance 31, c'est ça? C'est ça. On a un 1 ici. Si on a un 1 ici, c'est bon. C'est ça notre chiffre binaire. Alors, le 1, il est 9, 2 puissance 31. Donc, faites 31. Donc, si je mets un aya, par exemple, 2 à la puissance 2. 2 puissance 2. 2 puissance c'est alors 2 puissance 2 donc on dit 2 0 et le 1 on est d'accord que 2 puissance 2 il est là 2 puissance 1 2 puissance 1 donc c'est 10 donc 2 puissance 31 c'est 31-0, on va avec un 1, la puissance 31. Justement, oui, c'est ça, c'est parce qu'on commence de 0. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, madame, merci. Il n'y a pas de quoi. AIG sur 31. Voilà. AIG sur 31 parce qu'on commence de 0. 31-0,
Ouf, la puissance 31, on a là. Bien. Donc, c'est bon. On a trouvé l'espace non utilisé, la taille de l'espace non utilisé. Donc, c'est... On n'a pas encore trouvé. On était en train de calculer. Donc, c'est 1024 moins 850. Et vous avez calculé et trouvé que c'était 174 mégaoctets. 174 mégaoctets. Et ça, c'est la taille de l'espace non utilisé. 174 mégaoctets. On peut donner les adresses A et B. Les adresses A et B, adresse A, c'est simple, on va faire une décomposition et utiliser notre mémoire mentale. Adresse mentale. Alors, A, ça va commencer, donc RAM, donc la RAM va commencer de 0 à 2 gigaoctets, à 1 gigaoctet, plus 200 mégaoctets. On est d'accord? Bon, ben là que je dois ramener. Copier. Donc, d'abord, je ne sais pas. Je peux couper cette image. Non, ça ne veut pas bouger. Ça veut... On va la prendre par un autre moyen. Voilà. Donc, on a la RAM. Elle va commencer de 0 jusqu'à 1 giga plus 2 oméga moins 1. Donc, l'adresse de l'adresse A, ça va être, donc A, ça sera égal à 1 giga plus 2 oméga moins 1. Le B, ça sera égal à A plus 650 mégaoctets. Donc, on va commencer. Donc, 1 giga, on sait que c'est 2 à la puissance 30. On le voit ici. Donc, 1 giga, c'est 2 à la puissance 30. Plus. Alors, vous me dites. 1 giga, c'est 2 à la puissance 30. Et 200 mégas. On l'a déjà calculé. On peut même le ramener. 200 mégas, c'est ça. Égal, donc 2 à la puissance 30, on a 1 ici, 2 à la puissance 27, donc 2 0, donc on a 0. 2 à la puissance 27, ça commence là, 2 à la puissance 26, donc 1, 0, 0. 2 à la puissance 23, c'est là, donc 1, 0. Et ensuite, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 0. 1, 1, 2, 3, 4, 5. On ne s'est pas trompé. Donc 2 à la puissance 30, c'est 1 giga, c'est 0, 1, 0, 0. 2 à la puissance 27, 2 à la puissance 26, donc c'est 1, 1, 0, 0. 2 à la puissance 23, c'est 1, 1, 0, 0, 0. Et le reste, c'est des 0. Donc, le reste, 1, 2, 3, 4, 5,
Égal à puissance 23, c'est là. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. J'ai rajouté un 0 en plus. Et ça, je lui soustrais. Donc ici, je vais mettre 1 giga plus 200 mégas, c'est égal à ça. Ça va être égal à ça, moins 1. Alors, maintenant, suivez avec moi pour pas qu'on se trompe. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, on aura 5, 1. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on aura 1, 1 et 1, 0. Ensuite, 0, 100 et 1. Ça, c'est en binaire et ça va nous donner 100, c'est un 4. 1100, c'est un C, un 7, un F, et ensuite on a 4F en hexa. Donc on a votre camarade qui a trouvé l'adresse finale. Donc ça c'est notre adresse finale, donc ça c'est l'adresse A, donc ça on va dire que c'est A. Ok, on ne sait pas trop avec le résultat. Bien. Donc maintenant, on cherche la ROM. La ROM, ça sera 650 mégas. On décroche 650 mégaoctets en puissance de 2. Donc 650 mégas, ça va nous donner 512 mégaoctets. Bon, alors. D'abord, l'adresse B, ça va être A, donc B, ça va être A, 650 mégas, moins 1, n'est-ce pas? Donc B, ça va être plus 650 mégas, moins 1, pour trouver l'adresse. Ok, on a des calculs. Donc, B est égal à 4, 7, F, F, F. On va calculer ensemble. Donc, calculez avec moi, s'il vous plaît. Donc, 650 est égal à 512 moins 650, ça nous donne combien? Décomposez-moi, s'il vous plaît, le 650 en puissance de 2. Alors, 512 plus 256 plus 64. Donc, ça, c'est le 650 mégas. 512 plus 128 plus 8 plus 2. Calcul. Alors. Madame, c'est pas 256. C'est pas ça? Non. C'est 128. Oui, ouais. Mégas. Plus 8, plus 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien. Bien. Donc, on va transformer ça en binaire en utilisant notre belle calculatrice mentale. 512, c'est ici. Donc, ça sera 0010. 128, c'est ici, donc ça sera 1, 0, 0, 0. 8, c'est ici, donc 1, 0, 1, 0. Donc on a 8 ici et on a 2 ici. Et le reste, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. Et on va réduire, donc l'adresse B, ça va à ça. Moins 1.
Est-ce qu'on a, on s'est pas trompé? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc ça va donner, et ça, donc, égal à 1, 1, 1, 1. Un, deux, trois, quatre, cinq, donc cinq. Et ici, on aura, alors, un, zéro, zéro, un. Et on aura un, zéro, 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 un, zéro. Ça me donne quoi en exemple? Ça me donne pas quoi en exemple, s'il vous plaît? Quatre, bon, je pense qu'il y a 9 FFF, ça ne devrait pas être le résultat. Attendez, je vérifie. Donc, il y a une heure. 5F. J'ai l'impression, quelque part. Donc, 650. Donc, c'est A. Ah, voilà. Donc, non, ça, c'est pas B. Ça, c'est pas B, hein. Donc, ça, on a juste calculé 650. Donc, au 650, on doit rajouter le A. Donc, le B. Pardon. Donc, le B, ça va être le A plus ça moins A. D'accord? Donc, ça sera le A plus. Donc, le A plus le 6, ok, moins 1, donc le A plus A, donc c'est le A plus. C'est le A plus A. Donc, moins 1, il y a plus A. Donc, ici, on a, ça va être le A plus A pour trouver la taille. Moins 1. Donc, moins 1 plus 1, on le perd. Donc, ça sera le A plus ce qu'on a trouvé. Et ça, ça va nous donner... A est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur? Donc 650 mégas plus 1 giga 200 mégas moins 1 et ça devrait être des lettres. Donc A c'était moins 1 plus la taille. Je pense qu'il y a un problème. Donc, madame, on n'a pas besoin de calculer le déplacement. Pardon? On n'a pas besoin de calculer le B-1. On n'a pas besoin de calculer le B-1. Oui, parce que déjà au début, le A-1. On va le B, il y a à la suite On va le A moins 1. Donc ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse. On va lui rajouter la capacité. Donc la capacité, c'est tout. Moins 1. Donc si l'adresse, elle est déjà à moins 1, on lui rajoute la capacité, effectivement. Donc si on a l'adresse A, on va juste lui rajouter la taille. On va pas soustraire à 1 parce que la soustraction, effectivement, on a déjà soustrait le A du A. Donc ça va être, donc on n'a pas besoin de soustraire à 1, ça va être seulement A. Et voilà, c'est ça. Donc ça va être A qu'on a trouvé. Très bien, donc c'est ça. Donc c'est A plus la valeur qu'on vient de trouver. Et ça va être
on aura des 1 partout. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, ça plus ça. Donc ça va nous donner 1. Alors, je dois mettre l'un sur l'autre pour le retrouver. Donc, A, c'est ça. Donc, ça va être... Donc, B est égal à A. Mais ça sera A plus la capacité qu'on vient de trouver. Et ça va être donc A. Donc, ici... Alors, est-ce que je peux faire ça? Et ça, je vais mettre... Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ici 0, ici 0, zéro, zéro, un, zéro, zéro, là là, là, un, et zéro. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Ah oui, oui, désolé. Si, madame, donc, on peut trouver l'adresse et je vous libère. On va juste trouver. Donc, normalement, vous devriez avoir ça. Madame, donc, ça aurait été... Oui? Oui, là, oui, oui. Prenez, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous prenez le deuxième... Vous avez mis 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. C'est... C'est pas ça. 0 à 1. Un peu plus à droite. Alors, ok. Donc ici, on a des 1. Voilà. Oui, ok. 1 plus 1, donc 10. Attendez, donc je recalcule. Donc 10, on a 10 ici. On a 10 ici. On a 10 ici. Donc ici, on a 1, c'est vrai. C'est voilà. Ça. Donc 0, 1, 1. Hein, c'est bon pour le reste. C'est bon. Est-ce que oui, j'ai trouvé? Okay, c'est bon. Bien. Donc normalement c'est l'adresse qu'on devrait trouver. Ok. Donc voilà, je vous retiens pas plus. Si vous avez des questions, je suis là. Donc, à 13h, si vous voulez partir à votre cours, prendre une pause. Donc vous pouvez y aller. Oui. Vous pouvez nous envoyer ce PDF, madame, les solutions des exercices. Ok, ok, je vous envoie ça tout à l'heure, donc d'arranger ce que je viens d'écrire ici, et je vous envoie. Donc maximum ce soir, vous aurez ce corrigé. Merci, madame. Merci, madame. De rien. Merci, madame. Merci à vous. Merci, madame. Et,